Dépêchez-vous, ça vient juste de commencer. Encore des places au premier rang. Bonsoir. Oh, je vous attendais pas si tôt. Vous avez trouvé facilement? En tout cas, je suis contente de vous recevoir. C'est pas dans mes habitudes d'accepter les interviews, mais là, je crois que ça devient urgent. Quand je vois toutes ces salles qui ferment les unes après les autres. Moi, l'air du temps me donne la nausée. Asseyez-vous, je vous en prie. Comme je vous le disais au téléphone, ah, c'est un peu ardu de faire descendre le public ici. Mais attendez, attendez, je vais vous faire visiter avant qu'on boive un coup. Suivez-moi. Vous prendrez un masque. Il est accroché là. Bon, c'est pour les vapeurs d'acétate, c'est toxique. Je vous demande juste 2 minutes, je vais passer un petit coup de fil. Allô, Lucas? C'est Chloé. Oui. Dis-moi, tu viens bien ce soir? Oui. Oh, tu sais, en plus, il y a le journaliste qui est là. Tu aurais peut-être des choses à dire, toi aussi, hein? Mais si. Allez, rejoins-nous avant la séance. Allô? Allô? Te rappelle. Je suis désolée, hein, faut s'habituer. La ligne 7 passe toutes les 3 minutes et ça a tendance à faire péter les plombs. C'était mon ami Lucas au téléphone. Il tient une salle lui aussi. Mais on ne programme pas le même genre de film. Il m'en veut pas mal d'être descendu ici. Souvent, il me dit, Chloé, ma Chloé, mais tu vas mal finir. C'est pas avec ton cinéma underground que tu rallumeras la flamme. C'est pas comme ça qu'on change le cours des choses. Alors, moi, je lui réponds, arrête, Lucas, arrête. C'est toi-même qui me dis, Chloé, tu es nécessaire. Bon, dans le fond, je crois surtout qu'il se fait du souci pour moi. Regardez où vous marchez. Oh, je suis désolée, c'est un peu le foutoir. Bah, c'est le problème de l'archivage. Dès qu'on perd le fil, on est submergé. Tous ces films, je les ai glanés un peu partout. C'est ceux dont plus personne ne veut. Les inexploitables, comme on dit. Thank you.
Ça, c'est un stock qu'on m'a confié il n'y a pas longtemps. Elle manque encore un peu de maturation. Venez, on va descendre. Ça sent fort, hein? C'est la matière qui travaille. Hein? Ici, ce ne sont que des pellicules organiques. C'est des nitrates, des acétates, des triacétates de cellulose. C'est de la matière vivante. Regardez, mais regardez-moi ça. C'est comme ça qu'il faut les respecter, sans maquillage, ni faux semblant. Écoutez, vous entendez? On les entend respirer. Merde alors! Mais faites attention quand même! Chut. Voilà, astringente, elle manque d'ouverture. Il faut lui laisser le temps. Lui, là, il est bien écorché par la vie. L'émulsion se décolle complètement. Ça doit être une mérule proliférante. Dans cet état, il suffirait de pas grand-chose pour le briser définitivement, mais il résiste. Il nous balance ses tripes à la figure. Mes enfants, c'est la chair à vif du cinéma, un chef-d'œuvre de la nature.
Allô, Lucas? T'es où? T'arrives bientôt? Ah. Ok, je comprends, comme toujours. Non, non, c'est pas grave, tu viendras une prochaine fois. Mais ralentis un peu le rythme, tu veux bien. Tu sais, j'ai pas envie de te récupérer en morceaux. Allez, j'ai du boulot moi aussi, hein. Oui, je t'embrasse. Ah, Lucas, il n'arrive vraiment pas à sortir la tête de l'eau. Vous savez, c'est pas simple pour lui, hein. Depuis que l'État a coupé les subventions, il a dû s'aligner, comme tous les autres. Il doit faire du chiffre avec des films rentables. Il choisit presque plus ce qu'il projette. C'est du cinéma de survie, ça. Ça va vous rendre fou. Alors, j'ai bien essayé de l'aider, mais il voudrait que je remonte. Et ça, je ne veux pas. Ici, au moins, je sais à quoi je sers. Eh bien, il n'y a plus qu'à les attendre. De toute façon, ils vont bien finir par descendre. Allez, on va prendre un verre en attendant.